اسمي اسمه ثن اوندنيني السلام عليكم ورحمة الله الزلف اللون مرحبا سيسون سيغي من ناغ العلم طريق للإيمان ثموسني ذفريذ الإيمان أسجد المسلي أين يعني الإسلام سونتي نيتريسيون مودرن نبويد إكيد ناغ الستوديو ساقي إكمات ناغ ماس رشيد مسعودي C'est un spécialiste en la médecine naturelle, phytothérapie clinique et nutrition. Maintenant, Rachid, assalamu alaikum, marhabasis, azul fillaka, c'est Rachid. Assalamu alaikum, azul fillawen. Ça me fait plaisir de venir et de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et donc voilà, je suis là. Rachid, vous êtes un spécialiste dans le domaine phytothérapie clinique et médecine. Définition de la phytothérapie, qu'est-ce que... Bon, la phytothérapie, c'est un terme grec qui vient du nom phuton, qui veut dire plante, et therapia, qui veut dire des soins. Donc, c'est la médecine par les plantes. Mais je préfère plutôt parler de médecine naturelle parce que dans ma pratique en général, je ne fais pas uniquement la phytothérapie clinique, mais en fait, il y a pas mal d'autres approches qui sont très complémentaires et qui font un miracle sur le plan de la guérison. La différence entre cette médecine moderne et phytothérapie, est-ce qu'il y a une complémentarité ou il y a un truc de séparation entre... Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la phytothérapie et ils ignorent le domaine de la médecine orthodoxe. Et les orthodoxes, les médecins qui pratiquent la médecine moderne, ils ne tiennent pas en considération la phytothérapie. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut marier entre les deux ? C'est certain. C'est certain. Le problème, c'est qu'en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on a des phytothérapeutes, ce qu'on appelle des herboristes ou des herbalistes traditionnels, qui, eux, n'ont aucune notion de ce qu'est la médecine moderne actuelle de type occidental. Mais bon, peut-être qu'on ne voit pas ça en Algérie, mais en Occident, les gens comme moi sont formés à l'université. On a une licence S-Sciences en phytothérapie clinique, où l'on étudie et la médecine de façon traditionnelle comme en faculté de médecine et en même temps son application dans le domaine de la phytothérapie, c'est-à-dire en médecine naturelle. Et donc, si je dois donner une idée globale de la complémentarité entre les deux, je dirais que la médecine moderne, elle est très efficace, surtout dans les cas chroniques, dans les cas aigus. C'est-à-dire quand il y a une maladie qui se déclare comme ça, la médecine moderne, classique, elle a tous les moyens, diagnostics, imagerie et tout ça, puis les traitements pour stopper ça. Quand on revient à la situation des maladies chroniques, c'est là où l'apport de la phytothérapie et de la médecine naturelle en général, c'est là où son apport est d'un grand intérêt parce que nous voyons tout le monde, il y a plus ou moins une crise maintenant dans la médecine moderne en ce qui concerne les maladies chroniques. C'est très difficile, elle ne fait plus ou moins que gérer les cas chroniques alors que nous, en médecine naturelle, on a pas mal de moyens pour ou bien stopper carrément l'évolution d'une maladie chronique, dans pas mal de cas la renverser complètement, ou bien améliorer grandement la qualité de vie d'un malade chronique. Monsieur Rachid, vous avez choisi un titre « Islam, santé et nutrition moderne ». Oui. Relation entre ces trois constantes, l'islam, santé et nutrition moderne. Oui. La question est trop vaste, mais bon, je vais essayer de la diviser. D'abord, en tant que musulman, Allah nous a créés sur terre et il nous a donné les moyens pour nous guérir. Bon, disons que ce soit nous, les Chinois, les Indiens, nous n'avons pas attendu le XXe siècle pour que la médecine occidentale vienne nous sauver. Donc,
Allah nous a créé des moyens. Parmi ces moyens, il y a la nutrition. Oui. En matière de nutrition, nous savons tous qu'il y a des hadiths qui parlent de la nutrition, tels que Al-Ma'ida Baytudda, Koulou, Washarabou, Wala, Tusrifou, fil Qur'an. Israf, nam. Oui. Et donc, il y a des directives qu'on peut traiter, si vous voulez, une autre fois. Bien sûr, pas de problème. Donc, ça c'est le côté côté islam. Donc, il y a des directives très claires. La médecine du prophète est très claire. Tout ça se rapporte au niveau de la santé. C'est pour préserver notre santé. Quant à la nutrition moderne, tout le problème est là. Tout le problème est là. C'est que nous ne mangeons plus une nutrition ancestrale, nous n'avons pas une alimentation ancestrale. Tous les jours, on prenait le moulin en granit là, et on moulait ce qu'on voulait. Tout était frais avec le sang et tout ça. Depuis l'ère industrielle ici en Occident, l'industrie a pris les moulins, si vous voulez, en main. Elle a commencé à, pour des raisons pratiques, pour des raisons de facilité, elle a commencé à raffiner les produits. Par exemple, le pain qu'on a tous les jours, la baguette de type française ou le pain arabe, khmer, khbz terre, etc., c'est du pain blanc qui est complètement dévitalisé. Comment dévitaliser ? Dévitaliser, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé tous les nutriments que Dieu a intégrés dedans pour qu'il puisse le nourrir. Par exemple, si on prend un grain, le grain de blé, le grain de riz, il a à l'intérieur une matière blanche qui est composée à 97% d'amidon, et on a à l'extérieur qui est une enveloppe, le son, nukhala, qui contient à peu près 97% des nutriments du grain. Et donc, si on enlève le son, on n'a plus de vitamines, on n'a plus de diastase, on n'a plus d'enzymes, on n'a plus d'acides aminés, on n'a plus de minéraux, etc., etc. Donc, ce qu'on mange là, comme le docteur Kousmine, qui a soigné les cancers pendant plus de 50 ans, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, docteur Kousmine dit, quand on mange ce genre de pain, on ne fait que manger des cadavres. Et donc, à la langue, tout ce qu'on a, on a des calories vides, parce que cet amidon qu'on mange sous forme de baguette ou de khobz khmer, khobz ter, il se transforme rapidement en sucre, ça va monter dans le sang rapidement, le pancréas va essayer de faire de l'insuline pour ramener tout ça à la normale, et ça continue comme ça. À un moment donné, le pancréas s'essouffle, et nous avons des calories vides, on a une remontée de l'énergie tout de suite, puis hop, ça redescend. Et ça se voit ça beaucoup chez les femmes. Est-ce que ça, docteur Rachid, est lié à l'augmentation de la population c'est pour cela qu'il y a ce changement au niveau de cette nutrition qu'on appelle moderne, afin de subvenir tous les besoins à cette population de ces 6 milliards à l'échelle mondiale? Bon, c'est un argument qu'on avance. Effectivement. Mais comme on sait que lorsque on mange peu, avec une bonne qualité, on est nettement mieux que de manger beaucoup de nutrition de mauvaise qualité. Mais en fait, il y a un autre côté, c'est, comme on dit chez nous, « abzécile ». C'est très facile de produire quelque chose de rapide, de raffiné, plutôt que d'aller faire l'ensemble, prendre toutes les précautions possibles pour avoir une nourriture naturelle, etc., qui demande peut-être un peu plus de temps. Et donc, pour l'industrie, l'industriel, ce qu'il veut, il veut faire des bénéfices. Et là, il lui faut quelque chose de rapide. Quant à la dévitalisation, par exemple, du grain, pourquoi on lui enlève le sang? Parce que c'est une question de commodité. Si vous allez
chez le boulanger, vous achetez une baguette française blanche, elle est toute chaude, vous arrivez à la maison, vous avez déjà mangé les trois quarts, parce que ça descend rapidement. Si c'est une baguette complète, avec le sang, ça ne descend pas si rapidement que ça, et ce sang, outre les nutriments qu'il a, il va freiner le passage des nutriments dans le sang, de sorte qu'il y ait une régulation et que la glycémie ne va pas faire des montées subites et des descentes subites. Est-ce que, Rachid, vous pouvez nous citer quelques maladies liées à cette nutrition moderne? Donc, si j'ai bien compris, nutrition moderne égale poison ou... Plus ou moins. L'une des spécialistes justement dans le domaine, enfin deux spécialistes en Europe, il y a la docteure Catherine Kousmine en Suisse, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a traité pendant 50 ans les maladies, ce qu'elle appelle les trois sœurs, la polyarthrite rhumatoïde, le cancer et la sclérose en plaques, avec de grands succès. Elle a ses livres. Et il y a la fondation Kousmine que les gens peuvent voir sur l'internet. Il y a aussi le docteur Seignalé, le docteur Jean Seignalé, qui est mort il y a à peu près une quinzaine d'années comme ça. Lui, et il a écrit un gros livre, mais vraiment gros, il fait à peu près 1000 pages, qui s'appelle « L'alimentation ou la troisième médecine ». En fait, le professeur Henri Joyeux, un cancérologue qui vit toujours, lui, il a dit, parce qu'il a fait la préface du livre, il a dit, nous l'avons appelé la troisième médecine, en fait c'est la première, parce que nous ne voulions pas froisser nos collègues. Parce que dire que c'est la première médecine, l'alimentation, c'est un problème. Et donc le docteur Seignalé, lui, pour schématiser, une femme qui avait, je crois, 40 ans, elle était perclue de rhumatisme et de pas mal de choses, en une année, elle a fait le marathon de Paris et elle était la première. Pour voir comment la nutrition transforme un individu quand elle est appropriée et bien suivie. Quand on parle de phytothérapie en tant que traitement, parce que la population, des fois, elle est confuse par rapport à ce traitement, ils ne veulent pas partir, c'est des gens qui utilisent les herbes, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans votre domaine cliniquement comment vous utilisez les herbes, bien expliquer aux gens pour différencier entre les charlatans qui utilisent les herbes juste comme ça et vous dans le domaine phytothérapie cliniquement. Oui. Bon, d'abord, nous sommes issus de l'université, de la faculté de sciences humaines et de santé, ici à Londres, à Édimbourg, etc. Dans pas mal d'universités, nous avons une licence S-Sciences dans le domaine. Donc, nous potassons toute la phytothérapie, toute la pharmacologie des plantes, la pharmacologie générale. Et quand un patient vient, nous, notre optique, elle est ce qu'on appelle holistique. Holistique, c'est-à-dire, c'est la médecine de l'homme total. On prend l'homme en tant que tel, on n'est pas mécaniste. La médecine moderne, elle est mécaniste. Vous avez un mal de tête, on vous donne le paracétamol. Vous avez un problème cardiaque, on vous donne des choses pour le problème cardiaque. De notre optique, quand un patient vient me voir, je lui fais un interrogatoire détaillé pendant une heure et demie, parfois deux heures, sur tous les systèmes, pour pouvoir avoir une idée d'ensemble sur la personne. Et c'est après cela que je puisse lui faire un traitement. Je peux avoir deux diabétiques, leur traitement peut être différent parce que l'historique de chacun est différent. Et donc je connais mes plantes, je connais les autres stratégies de guérison, et donc selon la personne, j'applique plusieurs, une, deux ou trois. Pourquoi ne pas les médicaments, Rachid? Par exemple, dans le domaine de la microbiologie, on utilise les antibiotiques. Oui. Comment vous pouvez remplacer les antibiotiques par le domaine phytothérapique? Très facilement. En médecine par les plantes, et ça les Français, les pionniers français excellent là-dedans, la phytothérapie se compose d'herbes, de plantes médicinales, et aussi
d'huiles essentielles. Ce sont des huiles volatiles qui sont extraites des plantes. Alors, l'huile volatile, c'est, comme dit le docteur Jean Valnet, c'est l'expression atomique de la plante. Donc, au lieu de prendre, par exemple, une poignée de plantes, on prend une goutte de ça. Et ça a une efficacité extraordinaire. Ça couvre tous les besoins de l'individu, toutes les maladies, y compris les antibiotiques. Le problème avec les antibiotiques, c'est que ça a été tellement utilisé que les germes ont tellement développé de résistance. Et maintenant, on voit pas mal de médecins, tels que par exemple le professeur en cancérologie, le professeur Henri Joyeux, qui lui revient à la médecine naturelle, le docteur Jean Zalné, qui lui était le chirurgien de l'armée française en Indochine, qui a dû soigner les nôtres là-bas, qui dit exactement la même chose. Les antibiotiques sont bien pour des choses ponctuelles, etc. Mais le fait que nous avons des antibiotiques tous les jours dans notre alimentation, parce qu'on utilise ça dans l'alimentation, ils deviennent inefficaces. Et c'est là où la crise moderne se retrouve au niveau des antibiotiques. Quel est le danger si on utilise la prescription pharmaceutique, on utilise les médicaments? Est-ce qu'il y a comment dirais-je, des effets négatifs pour le corps humain ou... Eh bien, tout le problème est là. Je vais juste vous faire une petite comparaison. Le produit phytothérapique, c'est-à-dire la plante, le produit naturel, c'est un produit qui vient du monde végétal. Il est vivant. C'est des cellules qui poussent. La plante, elle pousse, comme nous. Les cellules sont vivantes. Et donc, comment c'est que dans le corps, il y a un système de serrures et de clés? Toutes ces plantes-là, elles ont la clé pour entrer dans les cellules et les nourrir, leur donner tous les nutriments nécessaires. Quand on prend de la salade, quand on prend de la tomate, quand on prend de trucs, tous ces produits, tous ces légumes, ils nous nourrissent. Parce qu'ils peuvent rentrer dans les cellules. Et donc, ce qui se passe avec la médecine chimique, ce qu'on appelle la médecine de synthèse, c'est que, en général, on étudie la structure moléculaire d'une drogue naturelle, d'une plante, et on la copie au laboratoire. Donc, il y a un transfert d'un monde végétal vivant à un monde chimique inerte. Et les spécialistes dans le domaine, ils disent que dans tout ce transfert, il y a une chose qu'on ne peut pas transférer, c'est le rouh de la plante. De la plante, oui. Comment vous voyez le domaine de la phytothérapie en Algérie? Eh bien, c'est une très bonne question là. Je me souviens d'un Algérien qui a participé avec un papier dans un livre sur les huiles essentielles il y a une quinzaine d'années comme ça. Et il a fini par dire que, parce que tout le monde parlait de faculté de botanique, faculté de phytothérapie, etc., et ben lui, il pouvait rien présenter. Il a dit, bon, nous faisons les recherches et ça reste dans la faculté de l'agriculture. Parce qu'en Algérie, dès qu'on commence à parler de plantes médicinales et de pratiques médicales, il y a une hostilité au niveau de la presse et de certains cercles politico médicaux. Et donc, tout le problème est là. C'est qu'en Algérie, la population a toujours adhéré à la phytothérapie. En fait, l'OMS nous dit que 80% de la population mondiale utilise la phytothérapie. 80%. 80%, ça c'est les statistiques de l'OMS. Et donc, en plus du fait que les plantes ont une plante, elle peut couvrir pas mal de systèmes dans le corps, puisqu'elle a tous les ingrédients pour soulager ici et là, etc., dans le corps. Et en Algérie, il y a des médecins qui reviennent à la nature aussi. Ils commencent à pratiquer. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, parce que j'ai rencontré deux ou trois là-bas. Il y a certains qui ne sont pas médecins et qui sont vilipendés.
Je ne parle pas des gens qui sont dans le souk, qui vendent les plantes dans le souk et qui, ou bien ils ont un savoir ancestral, ils sont très honnêtes, ils sont très efficaces, ou bien ils peuvent être des charlatans. Le problème, c'est que moi, j'ai vu dans la presse nationale, il y a 2 ou 3 ans, Al-Watan, d'autres journaux, vilipendaient les charlatans de la médecine, sans faire de distinction. Or, ce qu'on sait, c'est que l'OMS, déjà, en 1976, elle a demandé aux pays du Sud de ne pas compter uniquement sur un type, sur une médecine de type occidental, mais de développer leur propre médecine indigène. Ça, c'était en 1976. Mmh. Et elle leur a proposé une aide. La Chine et l'Inde, qui ont derrière eux respectivement 5000 ans de pratique et 2000 ans de pratique, ont pris l'aide de l'OMS, ils ont continué. Au Maghreb, silence radio. 2009, l'OMS demande aux pays du Sud d'intégrer cette fois-ci, d'intégrer les médecines traditionnelles dans le système national de santé. Mmh. Une deuxième fois, la Chine, etc., puisqu'ils sont déjà là, dans cette médecine, ils en ont profité, mais silence total au Maghreb. Quelle est la raison? Est-ce que c'est une histoire d'aliénation culturelle? On sent que ça arrive même en ce qui concerne même l'utilisation de la langue arabe. On sent qu'il y a une tendance à privilégier tout ce qui est français, tout ce qui est occidental, au détriment de tout ce qui est patrimoine national. On va revenir à Rachid. On va ouvrir les lignes. Si vous avez une question à poser pour le docteur Rachid, Inch'Allah, les lignes sont ouvertes. Rachid, on va revenir toujours à votre titre islam, nutrition et en même temps santé. Quand vous dites nutrition par rapport à la phytothérapie, est-ce que c'est du point de vue prévention ou vous voyez dans cette nutrition moderne beaucoup de facteurs négatifs par rapport à l'être humain ou comment vous définissez ça? Est-ce qu'une nutrition en tant que prévention? Bien sûr. La nutrition doit être une prévention. Ça, c'est en islam, c'est comme ça. Tout ce qu'on mange doit être sain. Le verset coranique dit « Kou wa koulou min tayyibati ma razaqnakum halalan tayyib. » Tayyiban. Qu'est-ce que ça veut dire tayyib? Tayyib, c'est sain. Le français n'exprime pas comme l'anglais. En anglais, on dit « wholesome ». Ça veut dire qu'il est complet et n'a pas été touché. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas dénaturé, qu'on n'a pas dévitalisé, qu'on n'a pas changé, on ne lui a rien retranché, on ne lui a rien donné. Or, les coupables, les trois coupables qui sont cités parmi non seulement les phytothérapeutes, mais parmi les grands professeurs, que ce soit aux États-Unis, ici en Angleterre, ou bien en France. Et c'est des pionniers de la médecine tels que le docteur Seignali qui était le pionnier de la transplantation rénale et de tissus en France. C'est lui qui a écrit l'alimentation ou la troisième médecine. Et donc, ces gens-là, ils incriminent, docteur Kousmine surtout, c'était la première, ils incriminent ce qu'on appelle les trois blancs. La farine blanche, le sel blanc et le sucre blanc. La farine blanche, elle a été dévitalisée parce qu'on lui a enlevé tous ses nutriments. Lorsqu'on a bluté la farine, lorsqu'on lui a enlevé le son, on n'a laissé que l'amidon. Ça donne un peu d'énergie, mais ça ne donne pas les blocs qui construisent nos cellules. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le docteur Kousmine dit, quand on mange du pain blanc, de la farine blanche, du couscous blanc, des macaronis blancs, on est en train de manger des cadavres. D'autant plus que la farine, une fois qu'elle a été moulue, elle commence à perdre, en 2 jours, elle perd plus de 50% de ses nutriments. Ça veut dire quand elle est stockée dans les magasins, les supermarchés. C'est pourquoi nos ancêtres, nos grands-mères, etc., elles moulaient juste ce dont elles avaient besoin pour la journée. Et ça, elles donnaient aux enfants quelque chose de tout à fait frais
complet qui n'a pas été dévitalisé du tout. Et on voit que, en général, dans la campagne, nos ancêtres, ils vivaient bien, ils avaient peu de maladies. Toutes les maladies dites de civilisation maintenant n'existaient pas autant qu'elles existent maintenant. Et ça, c'est dû à la nutrition. Ça, c'était la farine blanche. Le sucre blanc, Rabbi subhanahu wa ta'ala, ma khalkouch blanc. Le sucre, c'est un sucre roux. Mais il est arrivé à un moment donné où le sucre n'arrivait pas, la route du sucre était coupée. Napoléon a eu l'idée des chimistes allemands, comme quoi ils pouvaient fabriquer du sucre à partir de la betterave. Mais le sucre de la betterave n'était pas bon, il fallait le raffiner pour accroître son caractère sucré. Mmh. Et donc, ça a donné le sucre blanc. Et c'est la tradition est partie de faire du sucre blanc en appuyant sur une machine et produire 14 tonnes, ça rapporte de l'argent. Et le sucre blanc, ce n'est que du glucose. On lui a enlevé tous les minéraux, toutes les vitamines, etc., qui existent à l'état naturel. Le troisième, c'est le sel blanc. Le sel tel qu'on le voit en Algérie, par exemple, c'est du sel de mer qui a été chauffé à 600 degrés pour le rendre coulant, pour qu'il coule et c'est facile à utiliser. Or, le sel naturel de la mer, il est grisâtre, il a l'aspect mouillé, il ne bouge pas. Et en le raffinant, en le chauffant à 600 degrés, on lui enlève aussi le calcium, le magnésium, le phosphore, etc. Et on ne laisse que le chlorure de sodium. Et c'est pourquoi les gens ont un problème extraordinaire de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, etc. Les statistiques montrent là que en Algérie, le peuple est malade. Il y a 20 millions de malades chroniques. 20 millions. 20 millions. Ça, c'est le jeune indépendant qui l'a dit. L'hypertension artérielle, 9 millions d'hypertendus. Louisa Hennoun, elle l'a dit au journal le soir. Elle a dit aussi qu'il y a 2 millions de diabétiques, dont 30 000 enfants diabétiques. Nous savons qu'ici, les enfants sont diabétiques en Occident parce qu'ils mangent à McDonald's, ils mangent la restauration rapide, etc. Donc, si on utilise la vraie prévention, si on utilise la vraie prévention, on ne va pas arriver à ces chiffres. Utiliser la vraie prévention, ça veut dire revenir à un type d'alimentation ancestrale. Et ça fait partie de ma pratique. Quand quelqu'un vient me voir, après avoir interrogé la personne, après avoir pris toutes les notes, etc., je commence immédiatement par détoxifier le corps avec deux choses. Le jeûne, entre 3 et 12 jours. La science le prouve, je le dirai plus tard. Entre 3 et 12 jours. 12 jours, c'est vraiment dans les cas de cancer, etc. Et ça donne des résultats extraordinaires. Alors, généralement, c'est 3 jours avec des plantes diurétiques, des désintoxicantes, etc. Ça, pour 2 semaines. La personne, après 2 semaines, revient la plupart du temps complètement changée. Mais actuellement, Rachid, quand on voit les gens voir tout ce développement technologique, par exemple dans le domaine de la médecine, on utilise un certain matériel technologique pour établir les investigations. Est-ce qu'on peut dire que ce facteur, c'est un facteur qui va laisser ces gens, c'est-à-dire se déconnecter ou se séparer de l'herbalisme ou de la phytothérapie, parce que le domaine technologique, c'est un domaine qui peut faire des investigations dans le domaine cardiaque, dans le domaine neurologique, tout ça. Est-ce que dans le domaine phytothérapeutique, vous pouvez utiliser ces investigations ou vous utilisez seulement la prévention pour ne pas arriver à la maladie? Non, on utilise la prévention, les gens ne viennent pas. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que les gens, parce qu'il y a la médecine du gouvernement comme ici en Angleterre, c'est la médecine nationale, les gens vont là-bas parce qu'ils ne payent pas, etc. Mais quand ils arrivent à un état chronique et qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus rien faire avec la médecine de type moderne, c'est là où ils commencent à dire « Ah, est-ce qu'il y a un autre moyen ?» Ils pensent à nous. Et c'est là où ils viennent. Et quand ils viennent, ils ne sont pas déçus. Ce que vous vouliez dire là, c'est que
avec la technologie, effectivement, c'est là où l'OMS parle d'intégration de la phytothérapie, des médecines traditionnelles dans la médecine de type moderne. La médecine de type moderne, elle a fait des percées extraordinaires dans l'imagerie médicale, dans le diagnostic, dans le diagnostic et dans certains traitements de choc. Mais ces traitements de choc sont ponctuels. On voit que dans l'état chronique, là, la médecine moderne, elle piétine. Et c'est là où la complémentarité de la médecine traditionnelle, telle que étudiée par nous, elle est d'un grand apport. C'est pourquoi on appelle ça parfois médecine alternative, parce que la médecine de type occidental n'arrive à rien du tout, où nous arrivons, ou en général, elle est complémentaire, ça on appelle médecine alternative et complémentaire. Complémentaire. Est-ce que les phytothérapeutes, ils ont accès au laboratoire? Parce que dans la médecine moderne, les docteurs disent que le sang, c'est le miroir du malade. Il faut faire des analyses de sang afin de voir où est le problème. Est-ce que, par exemple, il y a un problème urinaire, il y a un problème de foie, il y a un problème au niveau des calciums, tout ça. Est-ce que vous avez accès au laboratoire où vous allez voir toutes ces analyses et vous allez détecter où est le problème? Oui, bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens décident de venir nous voir, en général, c'est en fin de lorsque la maladie est presque incontrôlable. Quand ils viennent. Je m'excuse, Rachid. On a une question qui vient d'interagir maintenant. Khairuddin, Al-Jazair. Salam Oui, alaikum, assalamu alaikum. Wa alaikum salam salam. wa rahmatullah. Donc, j'ai une sclérose en plaques. Oui. Et ça fait 7-8 ans que Varani Bihal. Et là, en ce moment, j'ai un problème de circuler, de marcher. Oui. Donc, ça, c'est les premiers symptômes qu'elle. Oui. Enfin, ce n'est pas les premiers symptômes, c'est les grands symptômes qu'elle. Donc, est-ce que la médecine parallèle a une certaine, un certain remède ou un certain truc pour essayer d'apaiser le mal? Est-ce que tu as vu des spécialistes, Bien sûr. Ah oui, bon, j'ai été hospitalisé en Algérie. On m'a d'acheter la séance où ils ont confirmé la sclérose en plaques. Donc là, c'est la certitude que c'est une sclérose en plaques. Voilà. Là, je suis sous interféron dans l'Avonex. Mais bon, ça ne fait que ralentir le processus. Je me dis que voilà. دوك تسمع الجواب خويا نصر الدين مع الدكتور رشيد. نوتر باسيون اي لا اون سكليروز اون بلاك. اي لا اسيي دو فوار دي سبيسياليست مي دي كي با دو يا با رومد نا شيما ثيرابيوتيك بيان افيكاس بارابور à sa maladie. C'est multiple sclérose. Oui. Je n'ai pas eu à traiter la sclérose en plaques en tant que telle, mais je sais qu'il y a des protocoles qui sont extrêmement efficaces. J'ai eu à traiter un lupus érythémateux systémique juvénile en 2007. C'est une fille de 17 ans qui a disparu totalement en presque un mois et demi, et je l'ai suivie tous les 3 mois, 6 mois, jusqu'à 2010, et c'est jamais revenu. Des cas de Parkinson, Alzheimer, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est consulter quelqu'un. Si vous allez en France, peut-être, si vous venez ici, je peux bien vous voir, mais en France, vous avez des phytothérapeutes, des médecins qui sont phytothérapeutes et qui peuvent vous traiter. Vous verrez que vous aurez au moins des améliorations notables. Pour vous encourager, je vous demanderai d'aller à la fondation Kousmine sur l'internet et vous lisez ce que dit la docteur Kousmine sur ça. En fait, docteur Kousmine, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que vous m'avez entendu, elle a traité pendant une cinquantaine d'années la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et le cancer qu'elle appelle les trois sœurs.
parce qu'elle a dit que invariablement elle a retrouvé l'origine alimentaire de ces maladies. En fait, la docteure Kousmine a écrit, je crois, en 88, un livre qui s'appelle « La sclérose en plaques est guérissable », où elle cite, moi j'ai mis 7 ans pour obtenir une copie de ce livre parce qu'il a disparu de la circulation. Mmh. Et elle dit qu'elle présente 50 cas de polyarthrite, de sclérose en plaques qu'elle a traité et elle a guéri une bonne partie et elle a amélioré toute l'autre partie. Alors, la docteure Kousmine, elle a aussi deux livres que vous pouvez lire. L'un qui s'appelle « Soyez bien dans votre assiette jusqu'à 80 ans et plus » et le deuxième, plus moderne, qui s'appelle « Sauvez votre corps ». Et vous pouvez les trouver sur Amazon.com. Khair din smak tsma'na akhi. On peut contacter le médecin directement pour y aller le voir ou là pour un avis, un autre avis quoi. Rachid, est-ce qu'il peut contacter le médecin directement? Vous avez dit en France ou la docteur Kousmine? Khardine, le médecin qui est avec nous. Oui. Bien sûr, vous laissez le numéro تاعك للغاليري ان شاء الله و يتصل بك رشيد ان شاء الله. شكرا رشيد. Donc c'est Khardine qui a un problème de sclérose en plaque. Il a vu tous les médecins avec toutes les investigations, mais il n'y a pas un schéma thérapeutique très efficace. Vous avez dit que dans le livre de Dr Kousmine, elle a cité 50 cas de guérison de sclérose en plaques. Oui. Est-ce qu'il y a un schéma thérapeutique C'est fondamentalement, elle fait une complémentarité entre la médecine moderne et la nutrition. Elle n'a pas le côté phytothérapique. Ce qui est notre avantage, parce que nous ajoutons le côté de la médecine par les plantes. Et donc, nutrition plus phytothérapie. Exactement. Elle utilise les vitamines, surtout les oligo-éléments, donc les minéraux. Mmh. Elle utilise les oligo-éléments, les vitamines et la correction nutritionnelle. En fait, moi, j'utilise un petit déjeuner pour mes patients que elle a mis au point qui s'appelle la crème Budwig. Alors s'il y a des patients qui sont dans n'importe quelle maladie chronique qui veulent voir ça, ils n'ont qu'à aller au site de la Fondation Kousmine et ils trouveront tous ces détails-là. C'est la Fondation Kousmine. La Fondation Kousmine, .com, je suppose. Et je les encourage, j'encourage tous les gens qui ont une maladie chronique, quelle qu'elle soit, de consulter cette dame. Cette dame, elle a dans son livre « Sauvez votre corps », à la fin du livre, elle cite un verset du Coran. « Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas le Coran. » Parce qu'elle dit que finalement, les médecins modernes, ils se sont tellement spécialisés, ils sont tellement pris dans le tout chimique qu'ils oublient que la nature peut a toujours été la première médecine et qu'en revenant à la nature, ils vont pouvoir renverser pas mal de problèmes. Et comme elle a été tout le temps critiquée malgré tous ses succès, elle a dit ça, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Subhanallah. Il y a aussi des médecins spécialistes qui disent ce siècle, il faut s'intéresser à la médecine du grand portant et ne pas s'intéresser à la médecine des grands malades. Parce que le malade, il est là, on doit faire le diagnostic, on doit faire toutes les investigations nécessaires et établir un schéma thérapeutique. Qu'est-ce que vous lisez dans le grand portant et le grand malade? Surtout le grand portant, oui, parce que ça vient à la prévention. Oui, c'est exactement. Ce que je vois ici, c'est essayer de maintenir les gens dans une... Ça, c'est la médecine moderne, Rachid. Oui, oui, oui. C'est parce qu'ils arrivent, c'est-à-dire qu'à force de matraquer les gens avec les produits chimiques, ils sont en train de causer pas mal d'ennuis. Ralph Nader, par exemple, en 87, il a fait des statistiques aux États-Unis, a trouvé que on tuait les gens, on tuait presque 450 000 personnes par an aux États-Unis, erreurs médicales, mauvais diagnostics, surdosage de médicaments, etc. Plus les effets secondaires affreux. Quand on imagine qu'on a ici, tous les 6 mois, on a un grand livre qui s'appelle le British National Formulary,
qui nous donne la liste de tous les médicaments qui existent avec leur panoplie d'effets secondaires. Alors imaginez, quand j'ai vu, par exemple, j'ai eu à traiter d'une femme qui avait Alzheimer en Algérie, une femme de 84 ans qui avait 11 médicaments. Alors si vous allez parler au docteur, au professeur de cancérologie Henri Joyeux en France, vous lui dites ça, il va s'arracher les cheveux. Parce que lui, il dit, des gens qui ont plus de 80 ans, on ne peut pas leur donner plus d'un maximum de 3 médicaments. Alors qu'en Algérie, cette femme que j'ai eue, elle avait 11 médicaments. Alors, les effets secondaires de ces 11 médicaments, ça crée un cocktail explosif dans l'individu. Et donc, il y a un problème de responsabilité du côté médical aussi. Et si on arrive à inculquer aux gens qu'il faut manger des choses saines, à condition que les autorités leur fournissent ça, ce serait très bien. Mais il y a un autre élément majeur dans ces maladies-là, ce n'est pas uniquement la nutrition, c'est le stress. Le stress, oui. Le stress, il tue. Il donne la dépression chronique, il donne pas mal d'autres maladies, les maladies cardiovasculaires, les maladies digestives, gastro-intestinales, etc., etc. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut organiser une société idéale où l'individu est très bien. Je citerai à ce niveau-là quelqu'un, une thérapie pour le stress, et c'est quelqu'un que tout le monde connaît pour son livre qui s'appelle « L'homme s'est inconnu ». Alexis Carrel, c'est... Pour rappeler, c'est le premier prix Nobel en 1912. Le tout premier. Alors, c'est un athée, mais voilà ce qu'il dit, parce qu'il a eu des interactions avec le Vatican, avec des gens qui prient. Il était à la recherche de remèdes pour des maladies mentales. Et voilà ce qu'il dit. Vous m'excusez, je vais vous lire des passages sur la prière. Pour lui, la prière, c'est une antidote du stress. Alors, voilà ce qu'il dit. La prière est toujours suivie d'un résultat si elle est faite dans des conditions convenables. Aucun homme n'a jamais prié sans apprendre quelque chose, écrivait Ralph Emerson. Néanmoins, la prière est considérée par les hommes modernes comme une habitude désuète, une vaine superstition, un reste de barbarie. En vérité, nous ignorons presque complètement ses effets. La prière agit sur l'esprit et sur le corps d'une manière qui semble dépendre de sa qualité, de son intensité et de sa fréquence. Il est facile de connaître quelle est la fréquence de la prière et, dans une certaine mesure, son intensité. Quand la prière est habituelle et vraiment fervente, son influence devient très claire. Peu à peu, il se produit un apaisement intérieur, une harmonie des activités nerveuses et morales, une plus grande endurance à l'égard de la pauvreté, de la calomnie, des soucis, la capacité de supporter sans faiblir la perte des siens, la douleur, la maladie, la mort. Le médecin qui voit un malade se mettre à prier, peut-il se réjouir? Le calme engendré par la prière est une aide puissante à la thérapeutique. Voilà. Ça, monsieur Alexis Carrel, connu pour son livre, c'est un athée. Voilà ce qu'il dit sur la prière. Rachid, quand est-ce qu'on peut dire renforcer la prévention pour ne pas tomber malade? On donne un exemple. Par exemple, quand on devient diabétique, il y a des facteurs et en même temps des étiologies, pourquoi on devient diabétique. Donc, quand on est au stade du diabète, on est au stade du grand malade, n'est pas au stade du grand portant. Le grand portant, où vient la prévention. Le grand malade, quand on commence là, il y aurait toutes les investigations, la médication, tout ça. Donc, pour vous arracher, de renforcer la prévention, pour ne pas tomber malade, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Un exemple dans le domaine cardiologique, le domaine digestif, n'importe quel domaine dans le domaine médical. En fait, lorsque quelqu'un vient nous voir, nous
nous n'allons pas lui dire, bon, vous avez un problème d'athérosclérose, on va vous donner des médicaments. On va commencer à étudier la personne pour savoir pourquoi il a l'athérosclérose, pourquoi il a une cardiopathie quelconque. On essaie d'aller vers la cause. Et quand on détermine la cause, on commence à traiter l'homme total, l'homme en tant que tel. Je vous donne un exemple qui vient du professeur, du docteur français, le docteur Jean-Claude Laprase, qui a écrit un gros livre qui s'appelle « Phytothérapie clinique » et qui est disponible, que les gens peuvent acheter, nos médecins en particulier. Lui, il a eu à traiter, par exemple, une femme qui avait un taux de cholestérol très élevé. Elle allait voir son généraliste. Qu'est-ce qu'il lui donne ? Des statines. Pour réduire le cholestérol. Bon, les statines, elle fait un mois, deux mois, trois mois, le cholestérol descend. C'est stable. Dès qu'elle arrête les statines, le cholestérol remonte. Et le généraliste refait la même chose. Elle a continué comme ça pendant presque une année. Mmh. Et à un moment donné, elle en avait marre. Elle dit, mais je ne vais pas continuer comme ça. Elle a commencé. C'est comme ça. C'est lorsque les gens sont dans une impasse qu'ils commencent à chercher ailleurs. Elle a trouvé le docteur Laprase qui traite en phytothérapie. Mmh. Et par les oligo-éléments, la négativation électrique, etc. Il y a toute une panoplie que nous avons. Elle a été le voir. Et lui... En l'interrogeant avec précision et détail, il a trouvé qu'elle avait une congestion pelvienne. Congestion pelvienne. Oui, congestion de sang au niveau du pelvis. Mmh. Le sang veineux ne remontait pas et ça créait une congestion. Et il lui a donné le traitement approprié pour décongestionner ça. Et une fois décongestionné, le cholestérol est tombé de lui-même. On n'a pas eu à le traiter. C'est là la grande différence de ça. Moi, j'ai eu à traiter, j'ai dit, une jeune fille qui avait le lupus érythémateux systémique juvénile. On lui a donné 5 médicaments, si je me souviens très bien. C'est une fille tchèque, de la République tchèque. Des antihypertensifs, des anti-inflammatoires, de la cortisone, des fluidifiants sanguins, etc., de l'aspirine et tout ça. 5 médicaments. 6 mois plus tard, elle a développé une stéatose, c'est-à-dire un foie gras. Et sa mère, qui était infirmière dans cet hôpital de Prague, elle a eu peur parce que le consultant lui a dit « Bon, on va lui ajouter 6 autres médicaments. » Ça veut dire qu'elle allait se retrouver avec 11 médicaments dans la journée. Une jeune fille de 17 ans. Alors, elle lui a dit « Écoute, vas-y voir ta sœur à Londres. Essaie de trouver une médecine naturelle, alternative. Sinon, ici, ils vont te tuer. » Et c'est comme ça que des gens l'ont guidée vers moi. Bon, moi, je connaissais le lupus comme ça, je n'avais jamais traité le lupus, mais nous avons des protocoles de base. Il faut immédiatement commencer à faire jeûner la personne, détoxifier avec des plantes naturelles. Tout est naturel et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas d'effet secondaire. Ça peut avoir un seuil de toxicité si c'est utilisé par des non-professionnels qui ne s'y connaissent pas, mais ça n'a pas d'effet secondaire. C'est un truc naturel. C'est comme si on mangeait, par exemple, de la salade concentrée. C'est un peu ça. Et donc, j'ai commencé par détoxifier. Pendant 3 jours, elle était pendue au téléphone. Est-ce que je peux manger ceci? Est-ce que je peux manger ça? Parce que le jeûne thérapeutique, ce n'est pas le jeûne musulman. C'est-à-dire que la personne ne prend pendant les 3 jours ou 5 jours, tout dépend, uniquement de l'eau et les jus de plantes naturelles que je donne pour la personne. Mmh. Et là, au bout du 3e jour, j'ai cédé. Je lui ai dit, bon, l'après-midi, tu peux manger une poire. Elle est revenue 2 semaines, parce qu'à partir de la du 3e jour de jeûne, à la fin du 3e jour de jeûne, il faut procéder à un remaniement fondamental de la nutrition, une correction nutritionnelle radicale pendant 2 semaines. Lorsqu'elle est venue après 2 semaines, elle m'a dit, Rachid, voilà, j'ai jamais jeûné, ça a été très difficile pour moi, je ne savais pas ce que c'était, et j'ai trouvé que c'était très dur. Mais maintenant, je me sens énergique à un point inimaginable, c'est comme si je ne suis pas malade. Vous me donnez ce que vous voulez, je suis. Et c'est comme c'était sa sœur qui payait, elle la prenait en main, suivait le régime normalement.
Et donc, on a continué comme ça. Je lui ai donné des plantes, des phyto à long terme, des oligo-éléments et d'autres. Je l'ai vu, c'était vers le 15 août 2007. On s'est revu le 30 août, elle était complètement changée. Je lui ai dit, quand est-ce que tu veux voir ton consultant? Elle m'a dit, le 19 septembre. Elle a vu le consultant le 19 septembre, prise de sang. Ah. Le consultant leur a dit, bon, il n'y a plus aucun signe d'inflammation au niveau rénal, parce qu'elle avait une atteinte rénale. Mmh. Il lui a dit, mais bon, il faut revenir en novembre pour un test de fonction du foie. Quand elle est repartie là-bas, sa mère est venue avec elle pour me parler, et le consultant a ouvert la porte, il a dit, tout est parti, qu'est-ce que vous avez fait? Et celle-là, je l'ai suivi jusqu'à 2010, de 2007 à 2010, le lupus n'est jamais revenu. Un dernier mot, Rachid, vaut mieux prévenir que guérir. Une bonne prévention et une nutrition saine, elle va nous éviter de tomber malade. Est-ce que cette prévention à l'échelle européenne a commencé? À l'échelle européenne, bon, ils ont tous les moyens, c'est pas comme chez nous, d'une part. D'autre part, ils sont plus conscients du danger, pas comme chez nous. Nous avons des problèmes qui nous fixent sur autre chose, on pense pas à la santé. Ils ont les moyens, ça a commencé, il y a pas mal de gens qui... La plupart des gens qui viennent consulter, en général, c'est des non-arabes, c'est des non-musulmans qui viennent consulter, les phytothérapeutes. Et donc, mais le problème fondamental que je dois souligner au monsieur qui a téléphoné à tout le monde, c'est la résistance du patient. Dès qu'on parle de correction nutritionnelle, le patient résiste. Il faut résister. Non, non, c'est le patient, il résiste, il ne veut pas changer. Ah, il résiste par rapport au traitement. Il résiste. Il n'accepte pas ou... Il n'accepte pas. Par exemple, j'ai eu un Turc il y a 3 semaines de ça. Je lui ai expliqué comment des patients, on les a fait jeûner pendant 45 jours aux États-Unis, etc., sous la surveillance médicale et tout ça, etc. Et qu'à la fin de... C'est des patients de 75 ans, 80 ans, etc. À la fin, ils ont regagné les facultés que les vieilles personnes perdent. Et je lui ai expliqué tout ça. À la fin, je lui ai dit, bon, voilà, dans mon protocole, et il va falloir que vous jeûniez 3 jours, vous prenez ça et ça. Il s'est levé, il m'a dit, non, je ne peux pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, vous voulez que je meure? Et puis, j'ai eu affaire à une médecin algérienne, elle aussi, qui a fait ruqya, qui a fait... comment dirais-je, hijama en plus, etc., et qui a accepté. Dès qu'elle est venue me voir, je l'ai averti, je lui ai dit, écoutez, ma soeur, quand vous venez ici, vous oubliez que vous êtes médecin. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce qu'on ne va pas s'entendre. Elle s'est tue. Et à la première occasion, dès que j'ai parlé de nutrition, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a, ma nutrition? Je mange très bien. Ah, je lui dis, bon, on s'arrête là, alors. Rachid, on vous remercie beaucoup. Inch'Allah, c'est pas la dernière. Notre programme vient à sa fin. Je suis Rachid, 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 je suis Rachid